Bonjour à tous, nous sommes ici au Royaume des Gourdes, au château de Valmer, en Indre-et-Loire, à côté de Vouvray. Regardez ces gourdes, nous sommes dans un tunnel où il y en a des dizaines et des dizaines, c'est vraiment surprenant. Et ce qui est intéressant avec ces gourdes, c'est qu'on peut passer de la gourde fraîche à la gourde sèche, qui est un élément de décoration. Les cucurbitacées servent à décorer. Nous allons vous en parler, vous montrer comment on peut passer de là à là avec une spécialiste, Valérie. Alors avant de les faire sécher, Laurent, on va bien évidemment les récolter. Et ce qui est très important, c'est de prélever les fruits avec un long pédoncule. Pédoncule qui va permettre à la gourde de bien sécher. Alors la gourde va se dessécher de partout, et notamment par le pédoncule qui va créer un effet de mèche. Bravo, belle récolte. Récolte superbe. Vous savez qu'il faut les récolter à maturité parce que sinon, si on les récolte quand elles ne sont pas assez mûres, regardez ce que ça donne. Voilà, elles s'affaissent comme des soufflets et donc elles sont bonnes à jeter à la poubelle. Elles sont pourries. Oui, on ne peut pas les utiliser en décoration. Donc, que faites-vous lorsque vous avez cette cucurbitacée magnifique? Vous allez... Alors ces gourdes, je vais les placer dans un grenier pendant tout l'hiver et même jusqu'au cœur de l'été pour leur laisser le temps de bien sécher. Elles vont se vider, elles vont donc sécher et voici ce que ça donne quelques mois plus tard lorsqu'on les sort du grenier. Voilà, donc une pellicule de moisie s'est donc développée à la surface de la gourde et c'est cette pellicule qu'on va venir retirer. Comment? Donc, pour cela, donc on va emballer une nuit dans un linge humide, donc ces gourdes. Voilà, donc ça sera beaucoup plus facile après pour retirer la pellicule. Et on va gratter. Alors on va gratter, alors avec une étiquette rigide ou bien vous savez ces grattoirs à vitre pour les voitures pour enlever le givre. Ben voilà, vous avez quasiment maintenant la solution pour avoir une gourde de décoration, c'est-à-dire qu'entre celle-ci, attendez, je vais la prendre. Voilà, et celle-là? Il y a là 20 kilos. Et là, il y a 500 grammes. 500 grammes, vous voyez un peu la différence. À vous de jouer. Merci beaucoup Valérie, au revoir à tous. Au revoir.